Yop les potes, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Spider-Man Morales, le tout dernier Spider-Man qui est sorti. Là, j'ai été chercher la version PS5. Je peux vous avertir que ça va être une dingue. Je vivais dans le quartier le plus cool du monde, Brooklyn. Représente, j'avais deux parents super, et j'étais fan de science et de super-héros. Mais tout a changé, quand mon père est mort dans l'attentat de l'hôtel de ville. Ça a été un choc énorme. Mais Peter Parker et sa tante May étaient là pour moi. Et Spider-Man aussi, qui n'était autre que Peter. C'est fou, hein. Ensuite, pendant la crise du souffle du diable, ça a été super tendu. Tous les ennemis de Spidey se sont ligués contre lui. J'ai quand même réussi à lui donner un coup de main. Et après tout ça, vous allez pas le croire, une araignée m'a mordu. Et j'ai commencé à changer. Je voulais pas que ma mère s'inquiète, alors j'en ai parlé à Pete. Et maintenant, on est officiellement Spider-Pot. C'est lui qui m'entraîne, et je dirais que je commence à maîtriser plutôt bien le maniement de la toile. Je cherche encore le bon équilibre entre cette responsabilité et tout le reste. L'école, les amis, ma nouvelle maison. J'ai emménagé à Harlem il y a quelques semaines. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Il y a de ça encore un an, j'avais une vie à peu près normale. C'est beaucoup plus fluide que sur la version PS4. Je vais vous faire en fait le jeu complètement en vidéo, une série de vidéos, voilà. Et ensuite je passerai un autre jeu. Et voilà. Comment c'est trop cool. Attendez. Cool, merci. Pas de problème. Et sinon, vous pensez mettre le nouveau Spider-Man aussi? Le gamin? Ouais, peut-être bien. Mais bon, moi, je préfère l'original. Ouais, je comprends. Dites, Théo's Bodega, c'est par là? Ouais, c'est l'enseigne jaune un peu plus bas, un ratable. Merci. Et c'est du super boulot. Mais laissez un peu de place pour le nouveau, au cas où. Le convoi. Sachant que j'ai déjà fait Spider-Man Morales. Pour ceux-là qui sont intéressés de savoir si j'ai déjà fait Spider-Man. Salut Pete, je suis en chemin. J'ai raté le convoi. Pas encore. J'ai fait les deux Spider-Man. Ils se sont échappés l'an dernier, retourné
vidéo rave. Ouais. Version PS4, parce que j'ai la version PS4, mais vu qu'on peut intervertir ça en version PS5, voilà quoi. Carburant. Comment t'arrives à boire? On sent très attention. Ok, en voiture. X2 en route avec cargaison lourde. Bien reçu, X2, on vous aperçoit. C'est une sacrée opération. C'est normal. Des centaines de criminels se sont échappés du rap l'an dernier. Maintenant, il faut les remettre en cellule. La police ne veut pas prendre de risques. Surtout avec notre invité d'honneur. Là. C'est un des anciens complices de Doc Ock. Possible. Peut-être Vulture, ou peut-être Scorpion, ou peut-être quelqu'un de plus gros. Ok, là, on a un problème. Attends, Vice, laisse-moi. Je m'en occupe, vite, t'inquiète. Vice, non. C'est sécurisé. Dérivé, Elite 2. Vous pouvez battre les parties. Je ne réponds plus. On va se cracher. Elite 2, on s'écrase. Elite 2 va s'écraser. Accrochez-vous. Elite 2 écrasé. Aucune victime. Cargaison compromise. Équipe d'intervention déployée. Accrochez-vous, Elite 2. Vite. Je suis désolé, je voulais pas. C'est pas grave, on gère. Faut juste l'empêcher de s'ouvrir avant. Avant que ça n'arrive. Salut, les petites araignées. C'est un vrai chef-d'œuvre sur place. Je le formerai pas comme ça.
Exécrable menace. Ah, trop simple. C'est une affligeante, consternante. Oh, ça vous va à ravir, ce monsieur. C'est beau comme menace. Ça. Une scandaleuse, méprisable, intolérable menace. Carré. Hijo, dónde está? Il est déjà tard. Allô, maman? Ouais. Le lait de coco. Je cherche, mais je ne trouve pas. C'est le chaos. Arrivez. Qu'est-ce qu'il y a, du coup? Ouais, désolé, j'essaie de choper un métro. Mira, mijo, c'est pas bien. Prends le et rentre en Italie. Si, ma, te quiero mucho. Maintenant, au chemin, Miles. On doit l'arrêter. Ok, j'arrive. On doit l'immobiliser, plus vite. Ouais, ouais, c'est quoi le plan? On va réchauffer tout ça! Oh, pas bon! Pas bon du tout! Pete! Est-ce que ça va? Non! Non, non, non! Ça va! Je m'occupe de lui! On vient vers toi! Tiens-toi prêt! Ok. Ouais. Un peu de temps. Conseil pour la police. Laissez tomber les lance-roquettes pour escorter des prisonniers. Peut-être. Laissez tomber les lance-roquettes tout court. Oh,
dessus. Il y a un coup de main à la police. Encore un peu. Pete compte sur moi. Je dois arrêter ces types. Il est rapide. Ils tiennent le pont. Changer contre un neuf. Ah, je prends celui-là. Miles, reste pas ici. Yeah!
T'es vivant ? Plus ou moins. Messieurs ? Waouh, c'était... Waouh ! Simon Krieger, directeur de recherche de Roxxon Energy. Ravi de vous connaître. Pareillement. Désolé. Je crois que notre ballon a atterri chez vous. Non, vous nous avez rendu service. On vient d'acheter ce terrain, on comptait tout démolir pour un projet. Mais vous avez été plus rapide. Je voulais vous remercier. Tous les deux. Terra Serino. En solo. Tira loin, mon grand. Merci. Mais il est encore dangereux. Oh non. On le livrera à la police. Moi qui n'arrête pas de répéter qu'on n'a pas besoin de super soldats ici, et ce genre de choses arrive. Oh, le devoir m'appelle. Hé, hey, c'était super de vous rencontrer, les garçons. L'avenir s'annonce radieux. Allô. Il a raison. On décolle. Laissons la police faire son boulot. Ouais. Ouais, ok. De la bioélectricité ? Wow. Je vais pas te mentir, je suis un peu jaloux. Oh, arrête, je suis loin de t'arriver à la cheville. On devrait peut-être faire des tests demain. Une petite analyse du voltage. Ah, mince, ouais, désolé, je voulais t'en parler. Je serai un peu absent dans les semaines à venir. C'est encore une de tes blagues, c'est ça ? Non, en fait, MJ part en voyage pour le Bugle et je vais être son photographe, tu vois. En gros, on part bosser à l'étranger. Oh, waouh ! Écoute, je crois pas être prêt à bosser en solo. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui avec l'hélicoptère. Mais après, t'as tout cartonné ! Tu m'as sauvé aujourd'hui, Miles. J'ai eu de la chance. Hé. Hey. J'ai fait ce boulot pendant 8 ans sans assistance. Et crois-moi, je me suis planté un paquet de fois. C'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce que c'est ? Ton cadeau de Noël. Mais d'abord, tu dois prêter serment. Hein ? Ok. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette ville. Je promets. Voilà, c'est bon. C'est sérieux, ton serment ? Ouais, bien sûr. T'as cru quoi ? Que c'était de l'impro ? À dans quelques semaines, Spider-Man. Le seul Spider-Man de New York. Le seul Spider-Man de New York. Je suis le seul Spider-Man de New York. The city late at night hit a pinnacle. Shining on a marvelous people know for those on the game. Didn't know the true form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to reach you when I see you, see your eyes. Oh, let me catch a vibe, I'm wasting time to solve. Mec, j'hallucine, Reno. Ouais. T'es où ? T'as pu entrer dans l'appartement ? Ouais, ta mère m'a laissé entrer. J'ai défestage vidé mon sac à l'arrache chez toi. Je suis sorti prendre l'herbe dans le parc là. Nickel. Passe un peu à l'amphithéâtre. J'ai un truc à te montrer. C'est un truc genre Spider truc. Oh, dis-moi que t'as chopé un bout de la corne de Rhino. J'ai vu des photos du combat, un truc de malade. Ha, c'est complètement un truc de super-héros. C'est bien mieux que la corne. Ah, le suspense est intenable. J'y suis. J'en reviens toujours pas que tu puisses faire ça. Hé, hey, attends, regarde. Un cadeau de Noël de Spider-Man. Ouvre-le.
Waouh. Essaie-le. Je te couvre. Quoi ? Vous avez jamais vu quelqu'un changer à Central Park ? Alors ? C'est comment ? Wow ! Miles Morales ! Félicitations et bienvenue dans ta première super tenue. Va dans le centre-ville pour l'épisode 2 de cet incroyable cadeau ! Et c'est qu'une moitié du cadeau ! C'est quoi l'autre moitié ? Tu le sauras quand je l'aurai trouvé. Bienvenue dans État de fait, en compagnie de votre pourfendeur de mensonges préféré, J. Jonah Jameson. Quoi ? Speed programme ses tenues pour se connecter à l'émission de Jameson ? Il est mazo ? Triste nouvelle, cher auditeur. Mon spectacle de charité de Noël a été annulé pour cause de bouffonnerie de justicier en costume. Il y a sûrement mieux à écouter. Ah ! On m'en a dit du bien de celui-là. Bonjour, je suis Danica Hart et vous écoutez le DaniCast. Je dresse le portrait des gens qui rendent notre ville meilleure. Le sujet du jour ? On pourrait parler des traders, des packs à but lucratif, de l'inventeur des vidéos sur Internet. Mais non, on va parler de cette incroyable raclée infligée à Rhino par deux Spider-Man. Je m'abonne, le DaniCast, mon nouveau podcast préféré. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, notifier et activer la cloche. C'était TomGB011. Je vous dis à la prochaine sur Spider-Man Morales. Ciao, ciao.